Si réunion décisive, est-ce que résistance est alternative pour l'ensemble avec le pays? Oui. Jamais dans Maurice, nous pouvons dire, il y en a autant engouement, autant un vœu populaire, un vœu de la jeunesse, un vœu des femmes, un vœu des travailleurs, pour qui un parti comme la résistance a donné l'alliance, mais surtout pour donner l'alliance par nous. Jamais il n'y a pas l'engouement qui nous peut trouver. Et ça, l'engouement, ça veut, ça désire profond là, inexprimé aujourd'hui par un représentant résistance et alternative et par un représentant parti travailliste et MMM. Alors nous sommes représentés aujourd'hui par David Sauvage, moi-même Patrick Toubon et Stéphane Mouya, qui gagne par appel, qui travaille aujourd'hui, qui est présent dans sa rencontre. Et le parti travailliste est représenté par ce leader, c'est-à-dire Marine Ramoulam, mais aussi aujourd'hui accompagné avec depuis Arvin Boulel, qui est le leader de l'opposition, chef de file du parti travailliste dans l'Assemblée nationale. Deuxième, MMM qui est représenté par Paul Béranger et Adjei Ganes, représentant officiel du MMM. Nous finissons après six, on dit le sixième rencontre. Nous voulons dire qu'il rencontre, une rencontre qui nous fait, après tout le monde, mais qui discutait de ces six rencontres? Okay. Mais dans six rencontres, il discute au moins quatre là. Il discute ce qui visait faire. Ce qu'il faut faire quand il y a un changement de gouvernement. Il y a une petite chose qui dit un changement. Okay. Et deuxième, il discute, mais qui est un candidat et qui est une circonscription dans lesquelles il y a un candidat et que, qui est là, le candidat à résistance dans l'éventuelle alliance. Le résistance et alternative. Quand il travaille, c'est quand même, ok, il fait un premier accord, l'accord est conclu, d'accord, pour résistance dans l'alliance, pour résistance défendre sa programme-là une fois qu'il y a le changement du régime. Et nous finissons d'accord qui est résistance pour ENA à commencer à ce faire-là, 10 candidats, un dans ses circonscriptions numéro 4, un dans ses constructions numéro 8 et le deux partis, parti travailliste et KMMM, pour discuter et faire le maximum pour qu'ils gagnent par appel candidat. Allez, qui nous peut causer, pour gagner par appel, pas dans la liste candidat, pas encore adhéré à ça. Pas quand pour gagner, mais c'est la conscription qui gagne pour gagner. Les confirmer qui, docteur Babita Tanou, nous pouvons aller vivre dans la circonscription numéro 8. Nous pouvons être jolis, une élection dans une élection. Right? Et Dr. Babita Tanou, un activiste, et jamais dit dans sa qualité politique-là, mais il y en a un grand courage, et il y en a un grand esprit, et il y en a un équerre qu'un décor combattif, et nous pensons qu'il est pour assumer sa responsabilité-là. Dans l'élection générale qui est venue, c'est lui qui vous téléphone par exemple. Deuxième, ça veut dire dans le numéro. Deuxième, c'est circonscription numéro 4, qui le parti travailliste est une pause dans la table. La première circonscription que vous êtes posée, c'est numéro 8. Deuxième circonscription, c'est numéro 4. Et là, résistance en mesure confirmée, que c'est moi qui suis candidat dans circonscription numéro 4. Ce n'était pas mon premier choix, moi, ok. Tu me donnes un pincement dans les cœurs, hein, parce que mon besoin, c'est pareil, pour le besoin d'une campagne électorale, avec mon camarade, avec mon travailleur qui est à côté de moi, à côté résistance, à côté syndicat, de cette construction numéro 12, de numéro 13. Nous aussi, étudiants du deuxième choix, dans cette construction numéro 12, là-bas, tout le monde m'a aimé, tout le monde sa région, là, comme contribution, David, résistance et alternative dans sa circonscription-là. Je ne suis pas une tombe la peau, parce que c'est quand même une tombe la peau, mais c'est une tombe la peau, l'eau, circonscription, numéro 4. C'est ça, moi, je suis un fighter. Dans résistance, c'est un fighter. Quand nous mettons, nous pouvons fight. Mais nous,
quand on finit nos candidats, alors nous proposons 4 circonscriptions potentielles pour couvrir par appel. C'est-à-dire, nous proposons circonscription numéro N, numéro 19, numéro 18 et numéro 16. Okay. Résistance, depuis au départ, c'est-à-dire, nous avons trois candidats, des hommes et des femmes. Ça, c'est monsieur, nos aspirations. Nous, c'est-à-dire qu'ils nous envient un candidat dans la ville et un candidat dans la campagne. Forcément, c'est la droite, députés soit dans la ville, soit dans la campagne, dans la région rurale. Là, nous avons une circonscription qui s'est mise urbaine et qui s'est mise rurale, ça veut dire numéro 4. Et la circonscription numéro 8, c'est la circonscription urbaine. Pardon, rurale. Okay. Même si c'est près, ben là. Okay. Alors donc, nous pensons qu'il nous besoin une circonscription dans 4 circonscriptions qu'il mentionnait pour qu'il nous capable d'aller Kougan par appel. Et Kougan par appel, lui, pareil comme David, pareil comme Stéphane, pareil comme moi et les autres militants, lui porteur de sa vision, hein, que résistance représentée. Il y a un brillant économiste, il y a un brillant intellectuel, il y a un brillant activiste. Il y en a pas du monde qui a pas connu, mais Kougan par appel, il y en a renou, Koutia Baraz, dans Confonet, Kougan par appel, il y en a renou, dans la lutte qui s'ouvre. Okay. Dans Wakashu, Kougan Parapen, il y a un nous dans toute une grande manifestation. Okay. Et Kougan Parapen, c'est un monde qui militait pour une conviction. Okay. Alors là, nous, comment dire, après ça, la cause aussi là, okay, nous, préoccupation, première préoccupation principale, c'est pour assurer que le parti travail, c'est le même, faire les efforts nécessaires pour aller Kougan Parapen. Et nous, nous vous faisons les efforts nécessaires pour aller pour Van Parapen, en sus de 2 candidats déjà confirmés. Mm-hmm. D'accord. Deuxième, c'est Zahemza. Bon. Papillon là. Zahemza. Ça veut dire, là, nous sommes d'accord. Que tout ce qui nous discutait, on a tous avant de réunir, nous remercions tout ça. Vous êtes venus suivre ça. Tout ça qui nous déroulait. Donc, c'est la 6e raison. Alors, matin, oui, dis. Right. Et tout ce qui nous discutait, quand nous arrivons à un consensus, l'IPU drafter, dépasse à peu près, nous pouvons drafter ça. Et nous pouvons soumettre un draft de ça et de manière qui nous pose en jeu, nous, ça, l'accord aucune pour plus. Okay? C'est-à-dire, des candidats, et n'a plus N, tout peut faire pour. Pour nous aller, pour draft, pour être par peine. Et que là, nous pouvons, l'accord programme, okay, nous pouvons drafter, et nous pouvons joindre, possiblement, je ne sais pas. Très vraisemblablement, semaine prochaine, ou une fois que ça draft là, il s'est acquis. Mais aussi, une dispute, je vous dis, côté résistance, qu'on étudie avant, résistance, qui participe dans l'élaboration, un programme gouvernemental de l'Alliance Parti Travailliste, MMM, ND, Asti avec Résistance et Alternative. Et nous pouvons aussi, nous réitérer sa demande. Nous disons, pour vous avez une journée de travail avec 25 syndicats, on s'en résistance, nous avons un programme de travail. Pour vous avez une journée de travail avec l'association écologiste d'Amoris, l'environnemental écologiste, tout le monde qui est concerné par l'environnement, pour une journée de travail, pour comment dire, enrichir. Et pour faire ça, l'alliance-là, vienne une alliance plus grande que possible. Pas juste un parti politique, avec des partitionnaires, comme moi-même, un parti politique historique. Pas si c'est qu'un parti politique comme résistance et alternative, mais qu'il y a aussi un propos, le vœu, les aspirations des bonnes travailleurs, des bonnes écologistes, des bonnes femmes, des bonnes pêcheurs, des bonnes petits planteurs, okay? Et tout du monde, des petits artisans. Il y a même un camarade dans l'association d'artisans. Tout ça, du monde-là, nous visons joindre ensemble pour faire la plus grande coalition qui vise pour tirer sa gouvernement. Alors là, à partir de ce là, ça aussi nous pourrions dire, pour faire la plus grande coalition, un propos tout divers groupes d'intérêts socio-économiques qui impliquaient dans différentes sphères de la société pour former sa coalition. Okay? Nous devons la croiser l'histoire, nous pays. Okay? Jamais une élection qui n'est aussi importante que ça. Okay? Alors, résistance et alternative, nous assumons nos responsabilités. Okay? Mais la cible responsable, pas tout quand nous marchons, c'est même du monde pédé à nous, mais quand. Ouais, même ça fait, ben, dirigeant pour le travail, c'est même une temps. Alors aujourd'hui, nous assignons
Le premier bout de responsabilité de nous. Quand tu travailles, c'est quand même la cible du premier bout de responsabilité. Now, we need to fight for Kougan Parten. Correct. Et voici que le programme, on va dire, finalisé, et que l'on a en écrit le programme et que l'on a fait. Alors, ben, ça fait donc à des audits d'un breakthrough dans la négociation. Nous encore, toute négociation, nous n'avons jamais fini. Nous n'avons jamais pas complet. Okay? Alors, nous avons complet tout pour assurer qu'il faut par rapport au candidat à cette instruction-là. Et nous pour assurer aussi que le programme respecté et pour assurer qu'il y ait un input de résistance alternative dans le programme commun. Et deuxièmement, pour assurer qu'il y ait une rencontre avec divers mouvement social, on a fait du faux aussi, dans Maurice, là, pour qui tout ça, mon aspiration là représentée dans l'élection générale, l'éclair, qui probablement a une grande possibilité de résoudre dans les jours à venir. Okay? Et nous préparons, nous étudions à résister. Je me dis, l'élection, c'est un champ de bataille pour nous. Okay? C'est un sentier de bataille. Et nous pour dans sa bataille. Nous, bons candidats, pour dans sa bataille. Okay? Mais avant de rendre sa bataille là, nous avons pour acter ce programme-là et nous avons pour assurer qu'il ne gagne pas en fait participer à l'élection. Qui dit à quoi et Alliance dit nous sommes ensemble, marchons ensemble dans la conférence de quand nous avons commencé au côté de Paul Béranger dans le monde. Chacun a sa façon de faire politique. Nous ne sommes pas tout moi, nous ne sommes pas tout David. Nous ne sommes pas tout Stéphane, nous ne sommes pas tout Kougan, nous ne sommes pas tout les autres camarades. Okay? Demain par exemple? Demain, oui. Non. Demain non. Demain non, parce que maintenant, on va préparation. Nous travaillons de façon méthodique. Et puis, c'est ce que nous pouvons faire aussi, c'est de débuter. Et non, pas demain. Demain, non. Ça n'a pas été. Non, pas nous informer qui peut travailler, c'est quand même de faire une conférence de presse pour faire l'annonce que nous devons faire. Okay? Et nous informer qui peut avoir une activité qui peut suivre. Et qui nous participation dans les autres activités du bout des fans. Pas des fans, du quoi. Une fois que nous faisons un travail là, hop, ok. C'est-à-dire qu'il y a un accord, qui la question de Kougan par rapport à rediscuter dans ben, l'instance participation, et qui rediscuter la base. Population Maurice 7, 6, 7, pas retrouvée de sa gouvernement. 6, 7, moi, je disais, il fallait envie un changement. Mais je t'envie un changement programme, je t'envie un changement gouvernement, et qu'un programme. De fond, pour faire la transition, tout le monde fait ça, c'est-à-dire. Et j'ai envie qu'il y ait un député, résistance et alternative, dans le Parlement, pour porter de ça, et comme un garant. Un député, résistance et alternative, pour un garant. Okay? Pour un garant de tout ça, la voix qu'on nous dit. Pour un garant de toute la force, tout le mouvement qui fait militer pour Mauritianisme, tout le mouvement qui fait militer pour les valeurs écologiques, tout le mouvement qui fait militer pour les droits et l'émancipation de la classe ouvrière. Résistance qui nous représente ça. Dans sa langue d'enfant. Ok? Nous, pareil, avec question. Le film cause candidat pour faire pour Kougan Parten, qu'en est-il de l'appartenance ethnique? Comment je peux présenter ça lors de la prochaine élection générale? Écoutez, des bisous qui nous commencent à ouvrir la discussion de la possibilité d'un front d'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Depuis ce jour-là, sa question là, sur la table, et depuis ce jour-là, nous connaissons, quand nous pose, quand nous donne la note, que nous appelons ce candidat, qui constitution oblige, qui classifie nous-mêmes dans une de ces quatre catégories-là. Sa question là, il discute depuis le premier jour qu'il commence sa discussion là. Sa discussion là, continue dans une ou bien des sessions qu'il nous fait, la dernière session aussi. Et sa question là, c'est une question qu'il nous discute à fond dans nos partis. Et nous pouvons discuter, nous avons un consensus. Et pour travailler avec nous, grâce à ces là, la question, nous avons une question d'ordre personnel. Okay? C'est-à-dire, toute classification, chacun, il y a un clou, okay? Right? Mais nous pensons que cette élection-là, nous pouvons une dernière élection dans l'histoire de Maurice. Un enfant sa pays là, un citoyen sa pays là, hommes, femmes qui candidat dans une élection, c'est la dernière fois qu'il besoin fausse classifier même d'un cas. So citoyenneté, le fait qu'il se l'ombrit, il enterre à l'eau salatée là,
OK. Le fait qu'il y a une appartenance à un papa maman mauricien, OK. Tu disais suffit pour les carapaces contre la révolution. OK. Alors ça c'est le combat de résistance. Alors nous, nous pouvons dire un accord, une conclusion aujourd'hui, ça l'accord là aussi un client, OK, qui dans une prochaine élection générale, pas pour une sacrée réputation. C'est intéressant de penser que résistance est quelqu'un d'actif d'entrée, quand le numéro 8, il n'a pas traduit lui comme un abattoir. Qui message vous avez pour Dieu en termes de sa candidature numéro 8? N'importe qui sentier de bataille, OK, il y a un combat en lien. Peine ça se garder pour personne. Correct? Moi, je n'ai pas encore grandi dans le numéro 8, moi. OK. Pas de pas connaître. Alors, sa circonscription-là, par une diagnostic là-bas, par accident. OK. Il là-bas par accident. Il ne faut pas lui parler pour acquis. D'accord? Non, il n'y a pas acquis. Ni pour une diagnostic, ni pour MSM de sa élection. Non, il n'y a aucun port. OK? Il n'est pas acquis. Parce que si nous pensons qu'il y a quelque chose acquis, ça veut dire, nous peut dire qu'il ne peut pas dans l'intelligence. OK? Qui y applique pour partie A ou même partie B? C'est le peuple qui peut juger en fonction de bon choix qu'il a dit. C'est le peuple qui peut juger si Bizet est un troisième mandat pour Pravin Jagnat et sur l'équipe. C'est un choix que le peuple Bizet faire. Alors, on ne va pas croire qu'il le peuple circonscription numéro 8 pour s'asseoir là pour poser devant lui. S'asseoir là pour poser. C'est en fonction de ça qu'il vous décide. Right? Ça, c'est un. Deuxième, le peuple pour décider right, si tout ce qu'il nous trouvait en termes de la ligne rouge. Circonscription numéro 8. C'est circonscription supramanienne qui se lève. Tu vois? Il est né dans sa circonscription. Mon petit camarade, il se fait. OK? Il est brillé dans sa circonscription-là. Correct? Ce madame reste dans sa circonscription-là. Mais Jagnat qui te guette dans les yeux un tel pour dire avant que le magistrat donne ce prononcement. Et vous vous avez répondu ça, non? La campagne électorale. OK? Sous le point manier qui se lève, il n'est pas là où la terre aujourd'hui. Mais ce larme-là, elle est à côté pour avoir une diagnostic à aller le poursuivre. Correct? Parce qu'il est sauté du monde, ça. Il est assassiné. Correct? Il est brillé dans le cas où tel fait là-bas, comme tu dis, comme tu fais là-bas. Correct? Il est brillé là-bas. OK? La cour, il dit qu'il n'y a pas un suicide, ça. La cour, il dit un assassinat, ça. Et qu'il y a là, il y a trois mobiles qui sont politiques. OK? Et tout ça là pour lever dans la campagne. OK? Alors, il ne fallait pas penser que ça s'est gardé, ça. OK? Parce que les peuples, circonscription numéro 8, pour me dire, on va grandir dans cet endroit-là. Bon. OK? C'est pas du tout intelligent. Right? Si dans la circonscription, Premier ministre, Sef Azan, Pravin Jagnat, Sef Azan, Lila David Ducan, Sef Azan, Supramanien, Kisnen. Sobinaden, pardon. Supramanien Kisnen. Pardon. Yogida Sobinaden. Yogida Sobinaden. Right? Il trouvait brillé dans Karokan de quel faire. Correct? Mais cette question-là, ils vous font partie dans le débat. Alors ça, pour nous, c'est ça qui nous représente la ligne rouge. Right? Quand ça, ils suivent pour un planting, un opposant politique. Okay? Alors le fait que vous avez décidé un régime qui élimine tout un opposant politique, peut-être même élimine physiquement un opposant politique, qui, sur un opposant politique, et la planting contre un opposant politique là, qui dans la direction renvoie à l'élection municipale, à l'un petit chose qui peut être dans le programme. D'un programme qui résiste à s'en discuter, voilà, élection municipale pour protéger pour la Constitution. Never again. Alors donc, oui, pas quoi y'a un tofil pour avoir une dame. Franchement, beaucoup du monde connu commencé à syndicaliste et qui n'a pas besoin de travailler, aujourd'hui, vous devenez un politicien qui active le terrain. Qui va arriver, ça va en organisation là, comment ça peut passer sa transition là pour vous? Bon, mon corps, avec tout respect que vous pour vous, donc là où il y a une perception, comment dire, un peu compartimentée de ce qui m'a été. Ce qui m'a été, toute proportion gardée, avec tout le respect qu'il m'a là, je peux faire ce qui est manière en plus.
C'est-à-dire Emmanuel Octil, qui est un dirigeant syndical, un nouveau grand tribun, ok, pour moi, l'initiative grand militant ouvrier de l'histoire de Maurice. Mon inspire, moi, j'ai vu. Mais Emmanuel Octil, c'était aussi le fondateur, ok, à la base de la genèse du Parti travailliste. Okay. Alors, il y a une séparation entre activité syndicale et activité politique. Okay. La lutte des travailleurs, il y a là une dimension, on peut dire, socio-économique qui est exprimée par la lutte syndicale. Et la lutte travailleurs, il y a là une dimension politique. Parce que ben, la loi travail, qui est en vigueur pour les travailleurs. Mais ça, pas n'est qu'un syndicaliste, il n'est pas capable de faire la loi. Il y a un parlement qui fait sa loi. Okay. Alors, la voix travailleur, comment résistance et alternative, nous avons candidat pour représenter, il y a la loi pour faire avance les droits des travailleurs. Okay? Il y a la loi, ça veut dire de bout à plat la table. Quand les droits des travailleurs, d'une façon ou d'une autre, capable de subir préjudice d'un procès de gouvernement, nous coup là. Okay? Alors, pas du tout une séparation. Okay? Et la plaisir, du monde qui n'a pas le mot, qui continue, reste animateur syndical dans plusieurs années, il n'a pas fait de recherche du tout. Donc, pour continuer, vous avez un travail de syndicat, parce qu'il n'est pas oublié là, vous pouvez être pris. Mais si vous dans les autres politiques. Une fois que l'élection finit, et qu'une fois que si le peuple choisit moi, mais il ne peut décider en fonction de ce qu'il nous fait. Mais soyez sûr, ok? Mon nez dans la classe ouvrière, mon poumon dans la classe ouvrière. Correct. Et mon lombris aussi dans la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, c'est lui qui inspire moi. Pas pour nous, mon médecin aussi. Correct. Première fois que je suis venu ici, tu es dans le salon de l'Estéphane. Ça veut dire Anjali. Et c'est lui qui guide nous, qui guide Stéphane, qui guide David, qui guide Kougan, qui guide le bon candidat. Et ils ont dit au 6e réunion, quand nous avons conclu, on a fait bien promis la cause, jusqu'à la cour écrite, right? C'est lui qui nous guide. Et c'est pour lui qu'il nous faut dans sa prochaine élection générale. Okay? Et c'est lui, c'est la voix. De toute façon, le 27 septembre, Anjali, sur 81e right, commémoration sur la mort quand il tient coup de okay? Ça va du monde là, sa maman là, qui aspire à lui. Pareil comme Anna de Bengal, qui tient rébellion pour le ballon hollandais. Okay? Pareil comme nous avons les autres tribuns qui l'avaient, les autres qui l'aspirent à lui. Right? Et ça, c'est le plus grand valet qui lie la résistance alternative. Ça valet là qui nous peut remettre l'eau là. D'habitude, il existait ça. Il existait dans l'origine parti travailliste. Il existait dans l'origine, même valet. Nous peut, comment dire, remettre l'eau à la table et faire un bloc qui inspiré de sa bande valet là. OK? Et il nous donne un moment, on peut dire, historique. Plus grand élection depuis 67. Okay. Soit candidature, résistance alternative, ce n'est pas un choix personnel de Bandimina. C'est un choix parti. Et dans résistance alternative, en même temps, il y a une syndicale qui a côté qu'on travaille avec la matière tantôt. Donc ça veut dire soit sur Soubron, dans l'élection, c'est pour faire justement avance et combat classe travailleur. Donc c'est pas pour mettre un stop ou soit pour. Non, il n'y a pas du tout ça. Les halles dans la même logique, tout ça, on a plusieurs espaces, plusieurs sphères, plusieurs niveaux pour amener le combat. Donc là, ce qu'il nous veut faire. C'est qu'il y a même combat, même détermination qui nous est là. Mais si nous, les députés, élisent trois déploiements, la détermination, il n'y a pas de déploiement. Il ne faut pas nous personnaliser. Il ne faut pas soit personnel à ça. Nous discutons dans le parti. Et le parti, il estime que c'est le meilleur candidat pour représenter Bande Valley avec une résistance alternative. Et à ça, il y a aussi délégué syndical. Il discute avec les différentes instances syndicales. Donc ça veut dire qu'il y a un souhait de tout le foyer à ce milité et les autres camarades, Kougan, et Babita qui nous demande le mouvement avec nous, pour qui ça m'en dit maintenant, pour le drapeau des résistances alternatives. Donc, il n'y a pas une affaire personnelle. À quand je pense, jeune Ban, Quand on passe David, la parole à vous, qui fait un mot, vous avez fait un point. À un moment donné, la question des trois candidats qui posent dans la table. Et m'a envie de dire, Public Maurice, qui est premier du monde, qui me dit qu'il peut retirer ce candidature. Pour permettre à une femme de poser ses dates. Alors c'est avec tout l'honneur qui est bizarre, qui m'a aussi amusé comme ça. D'accord. C'est David qui me dit, le tien a trois candidats, il peut retirer lui pour faire une femme candidat pour la liste résistance. Et me tenir publiquement avec Stéphane, avec tout le camarade de résistance, pour sa vie, pour sa parole, pour sa vision, l'esprit visionnaire qui vient là. Et ça même l'esprit visionnaire qui
provoque le mouvement de loi d'action. La parole est d'accord. Merci. Beaucoup quand Ashok fait dire qu'il nous donne un moment historique. Beaucoup c'est ça qui plus grand l'espoir. Beaucoup jeunesse qui dégoûtait en politique comme humanité. Sa élection qui peut venir là et ses contributions résistance et alternative, il n'a pas pour une élection kif kif bourrico. Nous peut amener un changement qualitatif. Nous peut cause mauricianisme pour toute la jeunesse qui nous joigne, milliers de la jeunesse qui nous joigne, qu'il soit là ou à Kasho, qu'il soit dans tout bon foyer de lutte que nous étions. Nous mauricianistes, nous l'humanité multiple et indivisible. Nous pouvons pas bouger. Parce que ça, c'est premier l'étape qui nous vise à atteindre pour qu'il nous adresse la crise écologique. Donc, sa élection-là, c'est un référendum. Pense, nous, comment dire, l'ancêtre, quand il y en a pour choisir l'indépendance, là, nous, dans ce moment-là. Et c'est sa contribution qui résistance et qu'alternative peut faire. Et nous peut penser ça depuis 2022. Depuis deux ans, nous trouvons ça venir, nous peut préparer ça, et c'est comme ça, nous, qui nous contribution peut faire. Nous pouvons cause droit à la nature dans nos constitutions. Hier même, nous étions dans le tribunal de l'environnement, parce qu'il nous peut rôde assim en tant que citoyen, nous rôde gardien de la nature, qui fait 5 ans que ce gouvernement-là peut continuer, clat la nature, clat wetland, quatre côtés. Là, nous pouvons cause qui, citoyen de ce pays-là, il peut agir comme un gardien, nous patrimoine naturel, nous ban bouclier naturel. Et qui pourrait avoir un modèle économique, là. Donc, fini sa paradigme mortifère qui la jeunesse vise à bourrer pour aller rôder l'avenir meilleur en dehors. Nous pouvons lutter pour que la jeunesse soit l'avenir digne et créé dans Maurice même. Nous cause l'eau la démocratie, révocation d'un député, réforme électorale. Mais c'est un nouveau Maurice qui nous peut causer et là, sa élection-là, il y a sens. Et c'est comme ça qu'il nous a voté, nous a participé dans cette élection-là. C'est tout qui résistance pour amener sur l'horizontalité dans ça. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit point du monde qui peut contrôler ça. Nous pouvons redouver un maximum pour que tout le monde puisse contribuer. Donc, je crois que c'est une mise en mouvement, qui a là et là, qu'on va la continuer. Donc, l'historique et nous besoin vigilants, hein. Faut faire attention, ça va tout ça, un petit bébé qui va là qu'on joue au sein, nous besoin garder la tête froide et occupe l'avenir à ce pays-là. Merci. J'ai une question à tous. Nous venons d'un gros lamas travailler, beaucoup de cellules. Un petit peu ça, tu es là, comment on commence? Quand on commence à contacter eux, t'actives les choses? Bon, tout ce qui est résistance fait, exactement mon père, nous tout le temps nous allons informer, nous allons travailler. Hein. Mm-hmm. Alors nous allons informer, nous allons travailler, qui dans le numéro 13, qui dans le numéro 12. Et nous aussi, nous allons informer, nous allons travailler, qui dans le numéro 4. Le response est sans rien. Mm-hmm. Et là, dans une semaine qui est devant nous là, pour répondre aux questions que vous disiez, quand vous commencez, dans une semaine qui est devant nous là, nous pouvons faire le programme et fight for Cuba. Allez, vous rejoignez là. Et possiblement, après, mon gars, ce qui est devenu comprendre, je ne pas connaître, ben, la vie, ça. J'ai besoin d'un jeu, etc., pour discuter, ça qui veut discuter. Ça vient de, pour le moment, là, nous, pas pour le moment, l'accord a été conclu. Ok? La version écrite et la question des programmes par peine reste à être résolue. Et ça qu'un indien, il peut faire ça, maximum possible. Nous, nous, vous faites pour le programme.